Je reviens un petit peu en arrière, les notes de lecture en guise de préparation. J'ai vu que c'est une Américaine, Oui. Francine Shapiro, qui a découvert ça en 1987. Donc, elle-même, elle voyait qu'elle se ressassait des idées un peu négatives tout le temps et s'est rendue compte qu'avec un mouvement oculaire, elle était capable, je schématise, hein, mais je raconte une histoire, elle était capable de se libérer de ses idées obsessives simplement par un mouvement oculaire. C'est là qu'est né le EMDR. C'est ça. Bon. Alors, ça sert à quoi, cette technique-là? C'est pour quel type de phobie ou pathologie? Dès lors qu'il y a du traumatisme. Et on entend par traumatisme un événement douloureux qui ne se répare pas, qui ne se digère pas. C'est-à-dire qu'à l'évocation de l'événement, on est toujours submergé par une émotion qui peut être la peur, la colère, la tristesse, un sentiment de honte. Et c'est très impactant pour la vie de tous les jours. Voilà. Tout donc, forme de traumatisme. Traumatisme, ça peut être petit traumatisme. Par exemple? Un licenciement. Ça, c'est un petit traumatisme? Ok. Ok. Je ne sais pas, ça peut être une petite fille qui a un embonpoint, elle va chercher de la viande chez le boucher parce que ses parents lui demandent et le boucher lui dit, ça va ma petite boule ou je ne sais pas, n'importe, quelque chose qui vient ancrer en elle le fait qu'elle n'est pas jolie, qu'elle est grosse et du coup l'estime de soi est blessée à ce moment-là et puis après il va y avoir souvent une répétition d'événements qui vont toucher à l'estime de soi, la blesser et du coup elle va arriver dans mon bureau et elle va me dire... Elle va me dire « je me sens moche, je ne suis pas bien, je n'ose pas regarder les gens dans les yeux, je ne peux pas passer un entretien d'embauche sans me liquéfier ». Enfin voilà, donc on va travailler sur l'estime de soi par rapport à plein de petits événements qui vont l'avoir amenée à développer cette croyance qu'elle n'est pas belle. Il y a la croyance, il y a la répétition du même langage interne « je suis moche », externe « je suis moche », les images, le langage, tout tourne en boucle, en répétition. C'est ça, un des terrains où peut opérer le EMDR.